Oh, Gérard! Entre. Salut, patron. Tu es arrivé quand? 9h12 à Orly, comme prévu. Vous avez reçu mes lettres? Oui. Bravo pour tes contacts à New York. Et vous ici, quoi de nouveau? Ouais, bah, le chiffre se maintient. Ah! J'ai fauché Jennifer aux habits d'en Ah. face. Oui. Nous paierons son dédit, 50 Oh, briques. ça sera encore une bonne affaire. En 4 mois, elle a vendu 1 million de disques aux États-Unis. Et votre fameux séminaire, ça a marché? En 4 jours au bord de la mer, c'est fou le nombre de problèmes qu'on peut résoudre. Et qui aviez-vous invité? 5 paroliers et 5 compositeurs. Les 10 cracks de la chanson. Où êtes-vous allé? Près de Deauville. Clos normand, piscine, cuisine 3 étoiles, tout ça de premier ordre. Nous avons fixé le programme d'action pour 1 an et arrêté les noms de 18 jeunes. Chacun va enregistrer un 45 tours. Et nous porterons toute la publicité sur les 2 ou 3 qui se vendront le plus. Et les autres? Ah, ils iront se faire voir. Il y a 2 petits sur qui je compte beaucoup. Ah, qui? Ah, 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 ah. T'es curieux, hein? Lui, il a 18 ans. Les rideaux et un cheveu sur la langue. On va lui raser le crâne et on le lancera avec une chanson dont le refrain sera « J'ai un cheveu, j'ai un cheveu il est sur ma langue ». Énorme. Et l'autre? Une petite môme de 15 ans, fluette fragile. Tu souffles dessus, elle tombe. Mais elle a quelque chose de sidérant. Une voix de basse chantante. Oh, sans blague. Oui, quand elle gueulera, maman est partie avec Victor, elle fera un malheur. Oh, quel métier. On peut entrer? Eh oui, c'est toi, chérie. Entre. Bonjour, Gérard. Bon voyage. Excellent. Mais qu'est-ce que c'est que ce bras en écharpe? C'est votre cher patron qui m'a fait ça hier soir. Il avait encore un verre dans le nez. Bon, c'est pas vrai. Il m'a fait une scène de jalousie et il m'a tordu le Bof. bras. Comme par hasard, celui avec lequel je me maquille. Mais regardez, regardez, je ne peux plus leur muer. Je pourrais dire aux employés de la maison que leur patron, M. Jimmy Brackner, est une belle Oh, brute. chérie, chérie. Je me demande encore comment il ne m'a pas tué. Mais savez-vous qu'il m'a menacé de me flanquer 2 balles dans la peau? Oh, mais quand tu me pousses à bout, tu sais bien que je dis n'importe quoi. Si tu ne t'en tenais qu'aux paroles. Enfin, Gérard, rappelez-vous, si nous n'avions pas été là le jour où il voulait descendre Gratchenko. Ça va, ça va. Oh, je te déteste. Non, Fabienne, mon chéri ne dit pas des choses comme ça, même pour rire. Mais je ne ris pas. Mais enfin, reconnais qu'hier soir, j'avais toutes les raisons d'être jaloux. Aucune. Non, mais, Gérard, je te fais juge. Hier après-midi, en rentrant de Normandie, je passe devant le bar Alexandre, avenue Georges V. Qu'est-ce que j'aperçois? Au fond, dans la pénombre, mademoiselle, en tête-à-tête galant avec un type. Oh, galant. Oh, vos regards en disaient assez long. Hein. Oh, Atkinson me parlait d'un rôle pour moi dans son prochain film. Je l'écoutais avec intérêt, c'est humain. Depuis le gala des ambassadeurs, il te fait une cour scandaleuse. Oh, jamais de la Oh! vie. Il me parlait métier, Ah, je n'allais oui. tout de même pas lui flanquer ma main sur la Oui, figure. on le connaît, le métier. Oui, les copains rigolent, je veux pas être ridicule. Les chiens aboient, la caravane Oui, mais passe. n'empêche qu'hier soir, quand je suis venu te demander d'un air innocent que... Et la langue pâteuse. Ce que tu avais fait tout l'après-midi, tu m'as répondu, j'ai essayé des robes. Alors là, j'ai vu rouge, oui, je le reconnais, j'ai vu rouge. Dis, Fabienne, voyons. Tu vas pas me quitter pour ce type-là. Il faudrait d'abord te mettre à l'eau minérale. Bon, moi, j'essaierai. Hein? Tu m'en veux plus? Il y a des fois où tu me fais peur. Oh, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et dis-moi ce qui te ferait plaisir et je te le donne. Certains bonheurs ne s'achètent pas. Qu'est-ce que tu dirais d'un chèque en blanc? En blanc? Mais pour qui me prends-tu? Mets la somme toi-même. Chérie. Viens. Viens, Ali. Oh, t'es un chou! Eh bien, prends-le. Non, pas de la main gauche, ça porte malheur. Hein, la droite. Merci, mon amour. Tiens, je croyais que tu ne pouvais plus remuer le bras droit. Bon, est-ce que tu peux être comédien? Ah, c'est mon métier, chérie. Oui, allez, fiche-moi cette écharpe en l'air. Là. Et viens m'embrasser. Mais si je suis trop... Ah, non, oh, mais non, Gérard, mais non. Embrasse-moi. Avec tout ça, tu ne m'as pas dit ce que vous avez décidé en Normandie. Vous avez de grands projets? Considérable. J'espère que tu vas mettre le paquet sur Michel. Quel Michel? Michel Montier. Nous n'avons même pas prononcé son nom. Pourquoi? Aucun intérêt. Alors là, je ne comprends plus. Il y a un an, tu as lancé ce petit à coup de millions, ça a été tout de suite le gros succès, et maintenant tu le laisses tomber. Mais c'est le succès qu'il a laissé tomber. Que tu dis? Non, quand un type a cessé de plaire... De plaire à qui?
En admettant qu'après la première flambée, il y ait une certaine saturation, je ne vais pas t'apprendre qu'une réussite, ça se soutient à la force du poignet. C'est quand ses ventes ont commencé à baisser que tu aurais dû mettre toute la gomme en publicité. Je suis sûre qu'il serait reparti en flèche. Pas moi. Allons donc, il était formidable, non, ce non, gosse. Fais-moi plaisir, ne me parle plus jamais de lui. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Rien. Si, 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 il y a quelque chose. Disons qu'il a pris dans ta petite tête une place qui ne me convient pas. Moi? Oh, mais si tu savais ce que non, je m'en fiche. Je sais parfaitement à quoi m'en tenir. Mais dis tout de suite que j'ai été sa maîtresse. Je le dis. Oh, ça me... Mais tu es fou? Non. Au début, c'est vrai, je lui ai trouvé un certain charme. Ah. Enfin, le charme que peut avoir un garçon de 20 ans, mais de là... Oh, oh Jimmy, tu me fais beaucoup de peine. Une seconde. Allô? Oui. Qui? Non, je ne suis pas là. Faites-le entrer dans le bureau de M. Gérard. Michel Montier. Moi, ce type-là, je l'ai assez vu. Gérard, Gérard, tu le reçois et tu t'arranges pour lui faire comprendre que pour lui, ici, c'est terminé. Mais... Ok, patron, j'y vais. Alors, Gérard, il paraît qu'après cette réunion de Normandie, on va voir ce qu'on va voir. Oui, je crois. J'espère qu'on m'a réservé une belle place dans le peloton de choc. Oh, toi, Michel, t'en as pas besoin. Quoi? T'es déjà connu. Ils ont décidé de porter leurs efforts uniquement sur les débutants. Ben, moi, alors? Je crois pas qu'ils aient prévu quelque chose. Je vais tout de même sortir des chansons nouvelles, non? Et comme publicité sur mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi, tu comprends, t'es déjà une vedette. Une vedette? Oh, laisse-moi rire. Enfin, les gens savent qui tu es. Ce qu'il faut au public, c'est du nouveau, toujours du nouveau. D'accord. Mais pour moi, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Ça, mon vieux. Pas rien? Ah non, tout de même pas. Enfin, j'ai un contrat, quoi. Ah, sois tranquille, il sera respecté. Tu dois enregistrer 2 disques par an, tu les enregistreras. Et on fichera les bandes au fond d'un tiroir à l'enterrement de première place, hein, je connais ça. Enfin, Gérard, faut que je mange, moi, quoi. Voilà 6 mois que j'ai rien sorti. Les disquaires n'ont même plus en magasin mes premiers succès. On passe plus un disque de moi à la radio. La télé ne sait plus que j'existe. Et ton peuple clandestin est devenu aveugle, sourd et muet. Plus un écho dans la presse, rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta courbe de vente est en chute verticale. Et forcément, vous avez arrêté la publicité. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a d'autres qui montent et que le patron veuille mettre toute la sauce sur eux, c'est normal. Mais autrement dit, pour vous, je n'existe plus. Vous n'avez pas le droit. Faites même pas oublier que c'est Jimmy Plackter lui-même qui est venu me chercher à Sarcelles dans un concert de jeunes. Je lui demandais rien, moi. Il m'a versé de l'argent, il m'a fait signer un contrat, j'ai quitté l'usine, j'ai dû acheter un rez-de-chaussée dans le 16e et y faire des frais à cause de mon standing, comme vous dites. J'ai des traites à payer, et depuis 6 mois, je gagne plus un sou. Et pourtant, bon Dieu, le succès que j'ai eu, je l'invente pas. Et depuis, j'ai fait des progrès. Ça doit pas être l'avis du public. Oh, le public avec le matraquage, vous lui faites avaler n'importe quoi. Pas toujours. Ça, c'est trop beau. Mais enfin, Gérard, pourquoi me fait-on ça? Écoute-moi. Écoute-moi. Tu n'as que 20 ans. Tous les espoirs te sont permis. Puisque le patron est bourré pour 2 saisons, je peux peut-être voir avec lui s'il serait d'accord pour te rendre ta liberté. On déchire ton contrat, on n'en parle plus. Me rendre ma liberté? Moi, j'appelle ça me flanquer à la rue. Mais non, mais non. Tiens, par exemple, il y a une nouvelle maison de disques qui se crée. Ouais. Blockman, tu le connais? Non. Enfin, tu sais qui c'est? Ah oui, naturellement. Il a besoin de vedettes pour lancer sa marque. Va le voir. S'il veut te prendre, le patron te laissera sûrement partir. Mais enfin, qu'est-ce que je lui ai fait, moi, à Brackner? Demande-lui. Gérard, on est assez copains pour que tu me le dises. Bon. Tu crois pas que peut-être ton aventure avec Fabienne, hein? Jaloux comme il est? Celui qui marchait dans ses bras. Enfin, rappelle-toi, quoi. Il voulait la lancer comme comédienne et il l'a systématiquement fait profiter de mon budget de publicité. On me l'a donné comme partenaire à la télé, on a écrit des reportages sur nous deux, il a même répondu que le bruit que nous étions fiancés. Alors, ça, c'est le business, hein? Seulement, moi, j'ai marché, puis elle aussi. Je ne pensais pas que vous vous prendriez au jeu. Mais l'amour, mon vieux, c'est grave. Oui, je sais que Fabienne a été très amoureuse de toi. Tu crois qu'elle l'est plus? Ça. Oui, depuis quelques mois, elle est pas tout à fait la même. Oh, si tu savais, c'est une fille tellement formidable. Oui, tu vois, avant elle, j'avais eu des aventures. Moi. Je croyais que c'était l'amour avec un grand A. Et puis j'ai connu Fabienne. Si je l'avais plus, je crois que je me foutrais à l'eau. Allez, dis pas de bêtises, hein. En tout cas, il vaudrait mieux que le patron croie qu'entre elle et toi, c'est terminé.
Alors c'est pour se venger qu'il me descend en flamme. Sois prudent, c'est tout ce que je peux te dire. Il n'est pas tellement équilibré. Quand il a un whisky dans le nez, il est capable de n'importe quoi, quitte à le regretter après. Mais Fabien, tout ce qui me reste. Tu voudrais que j'y renonce? Oui, ça vaudrait mieux. Ouais, enfin, j'ai compris, quoi. Vous voulez ma peau par tous les moyens. Eh bien, mes ingots, je me défendrai. Et si je ne réussis pas dans votre boîte, je réussirai ailleurs. Ben, j'en serai le premier enchanté. Dis donc, Blockman, tu le connais bien, toi? Ben, on a eu le même bureau pendant 2 ans chez Grimaldi. Alors, tu ne pourrais pas lui toucher 2 mois, mon sujet? Je ne demanderais pas mieux, mais réfléchis, c'est pas possible. Pourquoi? Tu me vois, moi, le directeur artistique de Bruckner, disant à Blockman, Michel est sous contrat chez nous, le veux-tu? Oui, évidemment. Bah quoi, t'es pas cul-de-jatte? Va le voir. S'il est décidé à te prendre, je parlerai au patron. Je te promets d'arranger ça. Bah, sans recommandation, Blockman va m'envoyer bouler, et puis c'est très bien que je suis en perte de vitesse. T'as un impresario? Demande à Rodriguez de s'en occuper. Ah bah, en fait, oui, t'as raison. C'est son boulot. Oh, 11h30. Écoute, vieux, j'ai du monde qui m'attend. Un de ces jours, hein? Si tu veux. Je suis toujours content de te voir, ça tu le sais. Ouais, hein? Ouais. Adios, vieux. Adios. Ah! Rodriguez. Salut, Coco. Alors, quoi de nouveau? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de nouveau? Ben, t'arrives pas à me parler d'un petit gala par hasard, non? Je suis prêt à accepter n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel prix. Là, faut pas, mon vieux, avec le nom que tu as. Ben, t'as mieux à m'offrir? Ben, ça peut venir. Je mange 3 fois par jour, tu sais. Si tu crois que les affaires sont faciles. Et au début, j'arrivais pas à faire tous les galas que tu me proposais, puis maintenant, plus rien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je te dis, les affaires sont très dures. Wow. Et puis quoi, Michel, il faut regarder les choses en face. La vente de tes disques est tombée à zéro. Parce que Breitner ne me fait plus publicité. Oui, j'ai d'ailleurs décidé de quitter cette boîte. Je crois qu'on me laissera partir. Dis-donc, Rodriguez, t'as entendu dire que Blockman crée une nouvelle maison de disques? Oui, je sais. Présente-moi. T'es pas fou? Si Bruckner apprenait que j'essaie de refiler une de ses vedettes à un concurrent, il m'en voudrait à mort. Ben, demande-lui d'abord son avis. Oh, je le connais. Ombrageux comme il est, rien que pour avoir eu l'idée d'une chose pareille, il me flanquerait à la porte. J'ai besoin de rester bien avec lui, moi. J'ai d'autres poulains. Alors, ben je vois qu'ils sont en bonne main. Salut, planche pourrie. Michel. Pas cool que cet idiot se fâche comme ça, mais... Excuse-moi, Rodriguez, en ce moment, je suis très nerveux. Tu pourrais pas m'avancer quelque chose sur mon prochain gala? Ton prochain gala? Oui, j'ai des traites à payer, mais j'ai pas le premier sou. Ah, tous les mêmes. Quand vous commencez à gagner un peu de fric, vous croyez que c'est arrivé. Vous achetez une Alfa Romeo, un appartement, et quand la chance tourne, c'est à Rodriguez que vous demandez de payer vos dettes. Mais je suis pas milliardaire, moi. Combien te faudrait-il? 100 billets. Nouveau? Ah non, ancien. Ben, quand même. Dans ce moment, mon petit vieux, je ne peux pas. Oh. J'ai mis le paquet sur Joe Bernardin. Il passe dans un mois à l'Olympia et après je l'amène en Amérique pour une série de TV. C'est de gros découverts. Je suis désolé. Tu penses bien que si je pouvais... Tiens, voilà tout ce que j'ai sur moi, si tu le veux. Non, t'y penses pas, vieux, non. La mendicité est interdite. Oh, monsieur Michel. Bonsoir, Aline. Fabienne est là? Je vais voir. Ben, elle est là ou elle est pas là? Je vais voir si mademoiselle peut recevoir monsieur. Ben, t'es occupée? Une seconde. Ben, je vous suis, alors. Non, je reviens tout de suite. Alors. Mademoiselle est désolée. Elle est en conférence. Oh, ça fait 3 fois qu'elle me le fait le coup de la conférence. Avec qui est-elle? Mademoiselle m'a dit de dire à monsieur qu'elle lui téléphonerait sans faute demain ou mercredi au plus tard. Enfin, Aline, qu'est-ce qui se passe? Mais rien, monsieur. Pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que depuis quelque temps, mademoiselle m'évite. Monsieur croit? Enfin, Aline, vous savez les choses et vous me les cachez. Moi, monsieur, je fais mon service. La conduite de mademoiselle ne me regarde pas. La conduite, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je dis. Enfin, vous nous avez suffisamment vus ensemble, Fabienne et moi, pour juger à quel point nous étions tout l'un pour l'autre. Depuis plusieurs mois, il me semble que c'est plus comme avant. Je me trompe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur n'a rien compris.
Et compris quoi? Parce que vous êtes jeune. Je vous aime bien, moi, monsieur Michel. Oh, puis après tout, tant pis. Vous n'avez pas compris que mademoiselle vous laisse tomber? Ce que vous dites? Je vois décidément qu'il faut vous mettre les points sur les i. Vous ne m'en voudrez pas, au moins. Mais non, parlez. Ouf, tout ça est si simple. Avec mademoiselle, vous ne vous êtes pas rendu compte que c'est toujours tout nouveau, tout beau. Au début, elle a été très amoureuse de vous. Et puis, il faut bien le dire, elle profitait de la publicité que vous faisait monsieur Brackner. Quoi? Ah oui. Et puis, peu à peu, il y a eu de moins en moins de publicité. Vous avez eu, excusez-moi, de moins en moins de succès. Alors, vous ne l'intéressez plus du tout, voilà. Oh. Et maintenant? Oh, maintenant. Vous n'allez pas me dire qu'elle m'a remplacé. Et tout le temps avec ce metteur en scène américain. Qui? Monsieur Atkinson. Il écrit, paraît-il, un rôle pour elle dans le prochain film qu'il doit faire à Hollywood. Elle va partir? Sûrement. Mais elle... Ce type-là lui plaît? Saisez-vous, elle en est folle. Il faut dire que lui aussi, c'est un beau gars. Puis vous comprenez, il est question qu'elle soit la partenaire de Gregory Peck. Oh là là, évidemment, je fais pas le poids. M'en voulez? M'en voulez beaucoup de vous avoir dit tout ça? Mais au contraire, je vous en remercie. Mais elle a rendu un grand service. Pour monsieur Michel. Mademoiselle me parle souvent de vous. Elle se rend compte qu'elle va vous faire de la peine. Pitié de moi. Oui. Elle n'a pas mauvais cœur, vous savez. Eh bien, vous pourrez lui dire que je n'accepte la pitié de personne. Surtout pas la sienne. Elle n'aura plus besoin de se faire du souci pour moi. Adieu. Allô? Allô, c'est toi, Fabienne? Oui. C'est Bobby. Oh, oh, mon gros Bobby, comme je suis contente de t'entendre. Mais qu'est-ce que tu deviens? Oh, c'est toujours au journal. Et dis-moi, il y a longtemps que tu as vu Michel Montier? Il a sonné à ma porte il y a une heure. J'étais occupée, je n'ai pas pu le recevoir. Eh bien, il vient de se suicider. Quoi? Il a piqué une tête dans la Seine. Mais c'est épouvantable. Il est mort. Penses-tu? Un marinier l'a sorti du bouillon, il est à l'hôpital. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Tu sais, on les connaît, ces gars-là. Ils ne chantaient plus, il a voulu se payer un coup de publicité. À moins que ce ne soit par désespoir. Désespoir de quoi? Mais d'amour. D'amour pour qui? Mufle. Tu vois pas que je rigole? Alors, c'est justement pour ça que je te téléphone, figure-toi. Je viens d'avoir une idée fumante dont tu vas me remercier à genoux. Mets-toi à genoux et écoute-moi. Oui. Je t'envoie tout de suite mon photographe, Givry. Tu le connais? Il travaille aussi pour Brackner. Vous sautez tous les deux à l'Hôtel Dieu et là, Givry te photographie penché sur le désespéré. Et ce soir, je passe la photo à la une avec cette légende, la ravissante comédienne Fabienne Villerville au chevet de Michel Montier. A-t-il voulu mourir pour elle? Formidable! Hein? Tu vois le coup de projecteur sur toi? Oh, alors là, t'es un chou. Tu sais, je t'en voudrais ça. Allô? Ah oui, mais attends, attends. J'ai l'impression que Brackner ne m'a pas aimé ça du tout. Ah, oh, Brackner, tu l'envoies au plot. Tu te rends compte de ce que je t'offre comme ça, pour rien, pour l'amitié? Bobby, t'es un frère. Après tout, tant pis pour Brackner. Hein. Si ça ne lui plaît pas, il sera monté de la bière. Oh non, un whisky. Allez, d'accord. Allô, allô? Oui, allô? L'Hôtel Dieu, c'est grand, Michel. Oui. Où l'ont-ils mis? Au deuxième étage. Il est tout seul dans la chambre numéro 4. C'est noté. En attendant ton photographe, je passe une petite robe noire. Oh, mon chéri, mon chéri. Fabienne. Je viens d'apprendre par la radio. Et comment te sens-tu? Tu es une... Mais qu'est-ce qui t'a pris, mon chéri? Oh, j'en ai marre. Mais de quoi? Pas de tout... Travail à zéro, plus un sou. Et puis toi surtout. Mais quoi, moi?
Tu m'avais assez vu. Où as-tu été chercher ça? Atkinson. Quoi, Atkinson? Quoi, Atkinson? Je suis comédienne, il est metteur en scène. Il pense à un rôle pour moi. Quand il vient m'en parler techniquement, je ne peux tout de même pas le flanquer à la porte. Ne te donne pas tant de mal, je t'en prie, Fabienne. Je sais tout. Oh, ça, est-ce que tu irais t'imaginer qu'entre lui et moi, il y a des choses vilaines? Oh, si des gens t'ont raconté ça, ce sont des menteurs et des salauds. Michel, Michel, écoute-moi bien. Tu es le seul dans ma vie. Avec Brackner. Oh, Brackner assure mes fins de mois, il n'a rien à voir avec le cœur. Fabienne, c'est vrai? Je compterai encore un peu pour toi. Mais sinon, est-ce que je serai là? Je parie que je suis ta première visite. Oui. Ah, tu vois? J'ai même pensé à quelque chose. Quoi donc? Tu as eu un instant de folie, il faut que ça te serve et au plus vite. Que ça me serve à quoi? Et à ta publicité, pardi. Je veux que toute la France te voie dans le journal de ce soir. Tu connais Givry? Oui. Givry, approchez, mon vieux. Salut, Michel. Salut. Je suis content de voir que ça ne va pas trop mal. Oui, oh, merci. J'ai amené Givry pour qu'il te prenne des photos. J'irai tout de suite les porter à Bobby. Je lui ai téléphoné, il est d'accord. Non, je veux qu'on me laisse. Mais pour ta carrière, chérie, c'est très important. Oh, ma carrière. Oh, tu ne vas tout de même pas t'être flanqué dans la scène pour rien. Je veux pas de photos, je veux rien. Pour me faire plaisir. Non. Écoute, Michel. Si tu es sage, je veux bien me laisser photographier avec toi. Comme ça, tout le monde verra que toi et moi, c'est toujours aussi merveilleux. Tu m'aimes plus. Michel, dis-toi bien que je ne t'ai jamais autant aimé. Et je vais te le prouver. Si tu te laisses photographier, sitôt que tu seras guéri, nous partirons ensemble. Où ça? Où tu voudras. Nous irons nous cacher comme deux amoureux. Tu te rappelles? Comme au premier jour. Alors, tu dis ça aujourd'hui, puis demain... Écoute, chérie, devant Givry qui nous regarde, je te promets solennellement de partir avec toi. Tu me crois, dis. Dis, tu me crois? Oui. Allez. Allez, on fait une photo. Tiens, je vais glisser mon bras sous ta tête, là, comme ça. Je ne te fais pas mal. Non. Et maintenant, on se regarde dans les yeux et on sourit. Très bien, parfait. Fabienne, un peu plus de face, s'il vous plaît. Alors, là, c'est ça. Parfait. Allez, on ne bouge plus, hein? Merci. Une autre. Comme ça? Non. Pour celle-là, regardez-le sans sourire. L'air un peu triste. Hein? Et toi, Michel, ferme les yeux, comme si t'étais épuisé. Là, voilà. Parfait. Ah, celle-là est la meilleure. Ne bougez pas, je la double. Parfait. Merci. Eh bien, tu vois, c'était pas une affaire. Maintenant, chérie, il faut que je te quitte pour porter les photos au journal. Tu vas me promettre de bien te soigner. Oui. Et de ne plus jamais recommencer. Ça... Oh, la mauvaise tête! Fabienne. Quoi? On partira tous les deux. Dis, c'est vrai. Mais puisque je te l'ai dit. Allez, au revoir. Vous venez, Givry? Voilà. Tiens. Entrez. Tiens, de la visite pour toi. Allez, salut, Michel. Salut. On peut entrer? Nicole. Michel. Ah, Nicole. Est-ce que ça fait plaisir de te voir? Montre. Oh, les belles fleurs, fallait pas. Assieds-toi. J'ai appris par la radio. Comment vas-tu? Oh, ben maintenant, ça va. Tu as de la fièvre? Non, pas beaucoup, non. J'espère qu'on t'a fait du TAB. Du quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Le vaccin antityphoïdique. Ah oui, oh, bah, naturellement, oui. On va dire que dans la Seine, il y a pas mal de petites bêtes. Hein. Tu n'as plus d'eau dans les poumons, j'espère? Non. Ils vont te mettre en observation? Ben oui, je crois. Non, Nicole, tu parles comme un doc. Parce que je visite les médecins pour un laboratoire. Depuis un an, je potasse pas mal les questions médicales, ça m'intéresse. Bravo. Comme t'as changé. Ta parole t'a grandi. Je crois, oui. Combien de temps que nous étions pas vus? Un peu plus d'un an. Oh, il me semble qu'il y a un siècle. À moi aussi. Tu m'en veux beaucoup. De quoi? Jamais t'avoir donné signe de vie. Mais non.
Je suis raisonnable, tu sais. J'essaie toujours de comprendre. Que veux-tu? On joue dans la cour du même HLM, on grandit ensemble, on se raconte qu'on s'aime, on fait des projets d'avenir, et puis... Et puis un beau soir, un monsieur Brackner propose aux garçons la gloire et l'argent. Qu'est-ce que la petite Nicole irait faire dans tout ça? Tu savais la vie qui m'attendait. Tu as été déçue? Oh, émerveillée d'abord, éblouie. Ouais, parfois je me regardais dans la glace, je me disais... C'est pas à toi, Michel, que tout ça arrive. C'est pas vrai. Tout me semblait si facile, les gens étaient si gentils. Puis au fond, j'étais pas très sûr de mériter tout ça. L'argent me venait trop vite, tu comprends? Sans vrai travail. Même mes défauts, on les encourageait. Ça me donnait, paraît-il, de la personnalité. Quand je pensais ma voix, je trouvais ça désagréable à entendre. Eh ben, on me disait, non, vas-y, gueule un bon coup, les gens aiment ça. Eh ben, alors j'y allais à fond. M'amusais bien. J'avais l'impression d'être tous les jours en vacances. En somme, tu étais heureux. Oui. Oh, je l'ai tellement souhaité. Quoi? Tu as accepté l'idée que je pouvais être heureux sans toi? Mais c'est comme ça qu'il faut t'aimer. Ah oui, bien sûr. Mais love, si tu étais heureux, ce qui t'est arrivé aujourd'hui, c'est un accident? Non. Tu as vraiment voulu mourir? Oui. Pour quelle raison? Une déception sentimentale? Pourquoi me demandes-tu ça? C'est indiscret? Pour Nicole, on n'est plus autant, on se fiche à l'eau par amour. Cette jeune femme qui sortait d'ici... Ah, t'imagines pas les choses, c'était que Fabienne Villerville. Mon Dieu, je l'ai pas reconnue. À la télé, un soir, on avait laissé entendre que vous étiez fiancée. Oh, c'était bidon pour la publicité. Non, Fabienne est une bonne copine, sans plus. Alors pourquoi tu fais ça? Oh, plus de travail. C'était disque. Et on en vend plus, je faisais des galas, plus personne ne me demande. Pourquoi? J'essaie de plaire. Souvent, après l'enthousiasme du début, le public se lasse un peu. C'est à ce moment-là que l'éditeur doit faire un gros effort publicité, mais il réussit presque toujours à imposer définitivement son poulain. Cet effort-là, Brackner l'a pas fait. Il ne croyait plus en toi? Disons que je l'ai plus intéressé. Alors, les gens autour de lui, ils m'ont laissé tomber, eux aussi. Il n'y en a pas eu un pour me défendre. Pas un pour plaider ma cause. Tous trop heureux d'écraser un jeune qui les avait distancés. Des jaloux, des lâches. Surtout des lâches. Et bien alors, comme j'avais plus un sou et rien que des dettes, un coup de bourdon m'a pris. Voilà. Tu gagnais bien ta vie à l'usine. Tu allais passer contre-maître. Ouais. Avec ce que j'aurais pu apporter de mon côté, on aurait été heureux. On aurait acheté une petite voiture, une tente de camping. Un bonheur calme, voilà ce qu'il te faut. Il est encore temps. Laisse ce métier qui n'est pas pour toi, repars à zéro, et dans quelques années, tu en riras. Non, mais... non, je pourrais pas. Pourquoi? Mais comprends donc, après ce que j'ai connu, je peux pas revenir en arrière. C'est plus possible. Non. J'ai fait un beau rêve. Mais si je dois y renoncer, j'ai mieux crevé. Bon, dans ces conditions, il faut reprendre la lutte. Dis-toi que si des gens ont voulu ta peau, c'est parce que tu as du talent et que tu les gênais. Les meilleurs ont connu des passages à vide, mais ils sont accrochés, ils sont bagarrés. Ils en sont sortis vainqueurs. Tu as les mêmes atouts, joue-les. Et si ton éditeur t'abandonne, prends-en un autre. Oui, on va parler d'une nouvelle maison de disques. Eh ben, va les voir. Peut-être, oui. Après tout ce qu'on aura dit et écrit sur toi ces jours-ci, à la radio, à la télé et dans la presse, tu peux sûrement intéresser ces gens-là. Le public a de nouveau l'œil sur toi. Profites-en. T'as raison. Ouais. J'irai. Allô? Allô? Ici la secrétaire de M. Blockmann, qui est à l'appareil? Michel Montier. Parle
Michel Mantier, le chanteur. Ah, oui, bonjour. Ça va mieux? Oui, merci. Je viens de sortir de l'hôpital tout à l'heure. Et mon premier coup de fil est pour vous. Ah bon? De quoi s'agit-il? Voilà, est-ce que M. Blockman pourrait me recevoir 5 minutes? À quel sujet? C'est personnel. Ah. Vous savez, M. Blockman est extrêmement occupé. Je ne peux pas lui prendre de rendez-vous avant... attendez, avant une quinzaine de jours. Oh, c'est ennuyeux. Parce que ce que j'ai à lui dire est très, très urgent. Vous ne pourriez pas insister auprès de lui? Oh, vous savez... Il pourrait peut-être me glisser entre deux rendez-vous. Non, il est en conférence. Je ne peux pas le déranger. J'ai une proposition à lui faire qui influencera peut-être les décisions qu'il doit prendre ces jours-ci. Ah, eh bien, écrivez-lui, il vous convoquera. Je ne pourrais pas venir cet après-midi à tout hasard. Oh, non. Je l'attendrai entre deux portes, je pourrais peut-être lui dire deux mots. Écoutez, je ne peux pas vous en empêcher, mais c'est à vos risques et périls. D'accord. Alors, à quelle heure aurais-je le plus de chance de le voir? Venez à 5 heures. Vous savez, je ne vous promets rien. Bon, entendu, merci. Bonjour. Bonjour, Fabienne. Michel, comme je suis contente. Eh ben, tu m'embrasses pas? Ah si, bien sûr. Laisse-moi te regarder. Ah ben, tu n'as pas bonne mine. Ben, je suis très fatigué. C'est à l'hôpital, ils voulaient pas me laisser partir. Et je m'ennuyais tellement de toi. Alors, je les ai quittés ce matin, je vais rentrer donner un coup de téléphone à un éditeur que je dois voir à 5 heures. Et puis voilà, ma première visite est pour toi. Chérie. Alors, je suis sûr que notre escapade va me faire 10 fois plus de bien que tous les médicaments. Si tu savais ce que ta visite là-bas m'a fait plaisir. À propos, merci pour le journal. L'infirmière me l'a montré. De nous voir comme ça, première page, l'un après l'autre, ça m'a fait un bien. Pas savoir, je revenais de si loin. Alors, qu'est-ce qu'a dit Brackner? J'ai eu droit à une scène épouvantable. Mais comme Gérard lui a démontré qu'au fond, ça pouvait me servir de publicité à moi aussi, alors il s'est calmé. Quand il va apprendre que t'as filé avec moi. Oh, je suis pas fâché de la tête qu'il a fait. Ben, c'est-à-dire que... Ben, c'est toujours entendu, quoi. Oui. Les deux, hein. Oui, bien sûr, mais peut-être pas tout de suite. Parce que... D'abord, tu n'as pas l'air en très bon état. Et puis... Et puis? Eh bien, il y a du nouveau. Atkinson m'a fait faire des essais. Ils sont, paraît-il, sensationnels. Et je dois partir avec lui pour l'Amérique d'un instant à l'autre. Quoi? Oh, c'est pas vrai. Lui. Mais je te le jure, c'est la plus grande chance de ma vie. Et si tu m'aimes vraiment, tu devrais t'en réjouir. Ce type-là est ton amant, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Oh, dis, je suis pas complètement idiot, non? Tu es très belle, peut-être même tu as du talent, mais enfin, tout de même. Qu'un Américain t'embarque comme ça du jour au lendemain pour essayer de t'imposer à des producteurs, il faut qu'il y ait autre chose. C'est ton amant, n'est-ce pas? Oui. Garce! Mais tu viens de le dire toi-même, donnant. Mike n'a aucune raison de jouer les Boy Scouts. Tu me dégoûtes. Michel, écoute-moi bien. Je ne t'ai jamais rien promis. Je ne t'ai jamais dit que j'avais l'intention de finir mes jours avec toi. Nous avons vécu des heures merveilleuses, c'est vrai. Et tu seras un de mes plus jolis souvenirs. Tes plus jolis souvenirs. Mais je t'aime. Mais tu en aimeras une autre et tu m'oublieras. Ce que tu m'as apporté. Mais non, mon petit, mais non, c'est de la littérature. Si tu crois que je n'ai pas connu ça, moi aussi. Un soir, j'ai voulu me tuer pour un type qui m'avait plaqué. 3 semaines plus tard, je le rencontre, il avait laissé pousser sa barbe. J'ai été prise d'un de ses fous rires. Alors quand on vient me parler d'amour, tu comprends. Mais Fabienne, moi, je... Toi, oui, eh bien parlons-en de toi. Qu'est-ce que tu peux faire dans ma vie? Tu peux assurer mon avenir? Tu as déjà bien du mal d'assurer le tien. Réfléchis, voyons. Ai-je le droit d'hésiter entre toi et un gars qui gagne 500 000 dollars par film? Ou alors tu ne comprends rien au cœur des femmes? Non, j'ai très bien compris. Très bien. Enfin, te voilà raisonnable. Oui. En somme, je dois accepter l'idée que tu peux être heureuse sans moi. Et c'est comme ça qu'il faut t'aimer, non? Encore faudrait-il en avoir la force? Moi, je pourrais pas. Égoïste. Et toi? Oh, moi! J'aimerais autant, mon petit, ne pas avoir à te dire la vérité. La vérité? C'est que tu ne m'as jamais aimé. Certainement pas comme tu l'entends.
Tu es bien balancé, tu as de beaux yeux bleus. Ton aspect de jeune chien m'a tout de suite attiré. Tu étais tellement différent de Brackner. Mais de là à jouer les grandes amoureuses... Voilà, j'ai au moins l'honnêteté de t'enlever tes illusions. Si je te perds, Fabienne, ma vie n'a plus aucun sens. Il y a le travail, essaie de t'y remettre. C'est pour toi que je voulais réussir. Tu aurais gagné beaucoup d'argent, ça aurait peut-être pu s'arranger. Et où vas-tu? Je pense que... Nous n'avons plus rien à nous dire. Non. Évidemment. Pauvre gosse. Michel. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Il y a longtemps que tu es là? Une demi-heure. Excuse-moi. Comment te sens-tu? Bon, à bout de force. Pour une première sortie, ça n'a rien d'étonnant. Assieds-toi vite. Alors, tu as vu Blockman? Oui, ce monsieur vient de me faire attendre 1h15 pour me recevoir 5 minutes. Alors? Ouais, il m'a fait comprendre que j'étais un raté. Et qu'il avait aucune envie de m'avoir dans son écurie. Enfin, tu ne me l'as pas expliqué. Qu'est-ce que tu veux expliquer à ces gens-là? Ils ont leurs idées. Et quand tu leur parles, ils t'écoutent même pas, ils pensent à autre chose. Oui. Enfin, de toute façon, tu as ton contrat chez Brackner. Tu as 2 disques à faire chez lui. Non. Comment non? Non. En sortant de chez Blackman, j'y suis allé voir Brackner. Il était sorti avec son directeur artistique. J'ai parlé avec la secrétaire, Mme Suzanne. Elle m'a toujours eu à la bonne. Alors j'ai essayé de savoir si oui ou non j'avais encore des chances dans la boîte. Oui. Elle m'a confié qu'on n'enregistrait même pas mes disques. Le patron estimant ses frais parfaitement inutiles. Enfin, ton contrat... Oh, bah, il me paiera, comme si j'avais enregistré. Mais c'est pas la même chose. Ces 2 disques doivent être mis sur le marché. Ils doivent courir leur chance. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, un procès? Enfin, pourquoi une telle hostilité? Il m'en veut, paraît-il, de ma photo avec Fabienne dans le journal. Mais en quoi ça le regarde? Fabienne est sa maîtresse. Ah, tu m'en diras tant. Attends, de le voir. Explique-lui que dans cette histoire de photos, tu n'y es pour rien. Ah non, ça suffit. Non, ça... Toutes ces histoires avec cette fille, j'en ai par-dessus la tête. Tout me dégoûte. Bon, excuse-moi, je m'en vais. Où vas-tu? Chez moi, me coucher. Enfin, essayer de dormir. Je crois que c'est ce que tu as de mieux à faire. Écoute, je vais au laboratoire signer mon courrier. Si tu as quoi que ce soit à me dire, tu me téléphones là-bas. Hein? J'y serai jusqu'à 8h. Ok. Michel. Quoi? Je veux te tirer de là, tu m'entends? Et j'y arriverai, j'en suis sûre. Ma pauvre Nicole. Personne ne peut plus rien pour moi. C'est ce que nous verrons. Monsieur Brackner? Et quel droit entrez-vous dans mon bureau sans vous faire annoncer? Si je m'étais fait annoncer, vous ne m'auriez pas reçu. Je n'ai pas l'habitude que les gens s'imposent ici malgré moi. Sortez. Non. Qui êtes-vous? Nicole Montoire, une amie de Michel Montier. Ah oui. Et alors? Vous savez pourquoi il a tenté de se suicider? Ce qui concerne ce petit monsieur ne m'intéresse pas. Vous m'entendrez quand même. S'il a voulu mourir, c'est à cause de vous. Vous plaisantez? Aucune envie. N'oubliez pas que c'est vous qui êtes allé le chercher. Non, dites donc, si je me suis rendu à Sarcelles, c'est parce que je l'avais vu dans un concours à la télévision. Ce concours, c'était bien avec l'intention que nous venions le chercher, enfin, un de mes confrères ou moi. Peut-être. Mais sans la moindre précaution, vous lui avez fait quitter son travail, un travail où il réussissait. Vous avez faussé chez lui le sens des valeurs et de l'argent.
Et vous l'avez rejeté à la rue quand il a cessé de vous plaire. Non, pardon. Quand il a cessé de plaire au public. Figurez-vous, mademoiselle, que je ne suis pas autre chose qu'un grand magasin. Quand un article ne se vend plus, j'en mets un autre en vitrine. Mais un garçon de 20 ans, monsieur, n'est pas une marchandise. Il a un cœur, une sensibilité. Et vous, vous avez des devoirs envers lui. Aucun. Vous avez gâché sa vie et rien fait pour le sauver. Je ne suis pas un bureau de bienfaisance. Alors vous n'avez pas le sens des responsabilités. J'ai la responsabilité de faire vivre 200 personnes tous les jours. S'il n'est pas capable de m'y aider, j'en prends d'autres. Voilà tout. Et avec ces autres-là, vous recommencerez. Vous leur donnez des goûts de luxe. Ils se croient devenus quelqu'un alors qu'ils ne connaissent même pas le métier. Et avant même qu'ils aient eu le temps de l'apprendre, vous les éjectez s'ils cessent de vous rapporter de l'argent. Ce sont les affaires, mademoiselle. J'étais à Sarcelles, le jour où vous êtes venue voir Michel. La seule chose honnête aurait été de lui dire, comme aurait fait un homme de théâtre, « Tu as des dons, un physique, une bonne voix, tu peux réussir, mais tu ne sais rien. Faisons un contrat, mais j'exige que tu continues à travailler à ton usine. Le soir, tu suivras des cours que je paierai. Et quand tu seras au point, en possession de ton nouveau métier, alors là, tu pourras lâcher l'autre, mais pas avant. Seulement vous, c'est le contraire. C'est fini, oui. C'est parce qu'il ne savait rien qu'il vous a intéressé. Parce qu'il avait tous les défauts qui fascinent certains jeunes, à qui vous cherchez à plaire parce qu'ils ont de l'argent de poche. Si ce n'était pas moi, d'autres le feraient. Vous n'allez tout de même pas me demander de former le goût de la jeunesse, ah non ? Pour ça, il y a des éducateurs et des parents, surtout des parents. S'il démissionne, ce n'est pas ma faute. En tout cas, malgré les apparences, mademoiselle, je lui rends service à cette jeunesse-là. Elle travaille dur, et si un refrain, aussi stupide soit-il, a un gros succès, j'ai atteint mon but, qui est d'amuser des gosses qui en ont fichtrement besoin. S'il préférait Mozart, soyez sûr que je vendrais du Mozart. D'ailleurs, l'un n'empêche pas d'aimer l'autre. Monsieur Brackner, faites travailler Michel. Aidez-le à réussir. Il est dans un tel état de découragement que je crains le pire. Et moi, vous croyez que les gens me tendent la main? Vous croyez que je n'ai pas mes drames, moi aussi? Vous croyez que mes bons amis n'attendent pas ma première défaillance pour m'exécuter? Tuer pour vivre, c'est la vieille loi, je n'y peux rien, mademoiselle. Persuadez votre petit gars de retourner à son usine. C'est ce qu'il a de bien fait. Adieu. Mais... Par ici, je vous en prie. Par ici. Je reviendrai vous voir. Et je vous convaincrai. Vous m'êtes très sympathique. Malheureusement, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous en prie. Ah, Givry. Tu veux entrer dans mon bureau une seconde? Bonsoir, monsieur Wagner. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Dis donc, cette photo qui est passée dans le journal l'autre soir, il paraît que c'est toi qui l'as prise. Oui? Mais tu n'aurais pas dû. Maintenant, mes copains se foutent de moi. Je suis navré, monsieur Wagner, mais c'est le journal qui m'a envoyé. Oui, eh bien, à l'avenir, mon petit, il faudra choisir. Entre ton journal et ma maison. Monsieur Wagner. C'est comme ça. Si vous croyez que ça m'amusait de prendre ces photos, si vous saviez ce que j'ai entendu, j'en étais gêné. Quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Si vraiment vous pouviez empêcher... Mais empêcher quoi? Parle! Eh bien, Fabienne et Michel ont décidé de partir ensemble. Quoi? Partir ensemble? Partir où? Ah, ça... Elle veut me quitter? Oui. Définitivement? Michel doit être sorti de l'hôpital aujourd'hui. C'est probablement ce soir qu'ils vont filer. Vous devriez voir ça. Et compte sur moi. Ah oui. Surtout, ne leur dites pas que c'est moi qui vous ai raconté tout ça. Hein. Oui, merci, merci. Alors, tranquille. Ah. Ouais. Ouais, ben, moi, Brackner. Tu n'es qu'un game. Tiens, Jimmy. Oui, c'est moi. Ça t'étonne, hein? Aline n'est pas là pour ouvrir la porte. Elle est descendue faire des courses. Tu es seule? Oui. J'allais m'habiller pour te retrouver au restaurant comme convenu. Et qu'est-ce qui se passe? Je pars pour 8 jours en Allemagne, en Stormen. L'Allemagne? Ah non, vraiment sans cérémonie, j'aime mieux rester ici. Quelque chose t'en retient? Non. Non, mais en ce moment, j'ai pas envie de voyager. Hein? Oui, oui, tu es sûre? De quoi? De pas avoir envie de filer.
Te filer où? Je sais pas, je te demande. Qu'est-ce que tu as? Encore un whisky de trop? Mais où vas-tu? Dans la lingerie. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Reste là! Non, dis donc, ici, c'est chez nous. Je te défends d'ouvrir cette porte. Ah, il y a quelque chose que je dois pas voir? Si tu ouvres cette porte, je ne te reverrai plus jamais de ma vie. Oh! Eh ben, oui. Deux mâles cabines déjà pleines. Pour quelqu'un qui n'a pas envie de voyager. Ainsi, le renseignement était exact. Hein? Tu pars. Eh bien, oui. Tu me plaques. Oui. Où es-tu? Ça ne te regarde pas. Avec qui pars-tu? Ça ne te regarde pas. Très bien, je t'en supplie. Je t'en supplie, il ne faut pas me quitter. Oh, tu as encore bu. Ne plus te voir, quel soulagement. Eh bien, moi, je te dis que tu ne partiras pas. Vraiment? Très bien. Tu vois ce revolver? Tu vas me descendre? Ah, tu as peur, hein? Te descendre, toi? Non, je n'aurai pas le courage. Mais l'autre, oui. Et je sais qui c'est. Dis-toi bien que celui-là, tu ne le reverras jamais, hein? Jimmy! Jamais, t'entends? Jimmy! Mike, il est parti, tu peux sortir. Il sait que nous partons ensemble. Ne rentre pas chez toi, il veut te tuer. Allô? Je voulais parler à Nicole Montoire. C'est elle-même? Nicole. Oui. Ici, Michel. Michel, je ne reconnaissais pas ta voix. Ça ne va pas? Nicole, je voulais t'entendre une dernière fois. Michel, qu'est-ce que tu dis? Je viens de m'empoisonner. Je n'en ai plus que pour quelques minutes. Michel! Écoute-moi, Nicole. Je t'ai envoyé un message où je déclare m'être suicidé. Tu le montreras de droit pour qu'on ne croie pas que j'ai été assassiné. Nick. Allô? Allô, Michel? 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 Qui êtes-vous, monsieur? Jimmy Bruckner. C'est vous qui avez téléphoné au commissariat? Oui. Ben, qu'est-ce qui se passe? Viens entrer, monsieur, entrez. Voilà. Je suis venu voir Michel Montier, qui habite ici. J'ai trouvé la clé sur la porte, je suis entré. Il était dans sa chambre, étendu en travers de son lit. Il dormait profondément. Alors, j'ai profité de ce qu'il ne bougeait pas pour lui tirer deux balles dans le cœur. Mais il est mort? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait ça? Il voulait partir avec ma maîtresse. Je suis à votre disposition. Emmenez-le. Chef, cette demoiselle. Oui, qui êtes-vous, mademoiselle? Une amie de Michel Montier. J'ai tout entendu. Je venais le voir. Non, mais c'est trop tard. Allez, en route.
C'est toi, Nicole? Oui, maman. Tu sais la nouvelle à la radio? Le petit Michel Monti a été assassiné par son éditeur. Oui, je sais. C'est tout l'effet que ça te fait? Oh, laisse-moi, j'ai mal à la tête. Bon. Il y a un pneumatique pour toi. Je l'ai mis dans ta chambre sur la cheminée. Merci. Je déclare m'être empoisonné volontairement. Brackner aura ma mort sur la conscience. Nicole! Oui? Ce pneumatique, rien de grave. Tu le déchires? Qu'est-ce que c'était? Un papier sans importance.